Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode Pokémon Reborn. Alors, on m'a fait la réflexion au dernier épisode, enfin il y a deux épisodes de cela, mais oui, mais tu as appelé Chuck Chuck alors que c'est une femelle? Mon dieu, mais j'ai bien appelé Ketchup. Ketchup alors que on dit du ketchup, hein. Il me semble que ketchup c'est masculin, enfin je veux dire. C'est au-delà de ça, tous ces trucs genrés et tout ça. Et puis bon, je sais pas pour vous, mais Chuckette, justement, je trouve que justement ce serait sexiste et tout ça, alors que Chuck, voilà, c'est. Elle est un peu garçon manqué. Oui, c'est vrai. Ok, oui, à l'école, elle préférait jouer à la baston ou échanger des billes en faisant des trucs plutôt que de jouer à la dinette avec les autres filles de sa classe. Et alors, je veux dire. Franchement, peu importe celui qui a dit ça, mais il devrait se sentir mal. Le fait est... Putain, est-ce que je peux en raconter des conneries? Le fait est que nous sommes attendus dans le parc d'Obsidia. D'ailleurs, by the way, mon équipe, comment ça se passe? Ça a l'air d'aller. J'ai pas... Oui, bon. C'est pas grave. Hop. Et donc là, logiquement, elle devrait m'attendre parler. Ah non, il n'y a juste pas de policier. Oh, je me fais aggro direct. Et mec, t'as de ces candies, de ces bambous rares. Je me suis fait fou là, gros. Mec, on a rien à foutre que sa ville soit détruite. De toute façon, le mec, voilà, il habite dans la rue depuis tout le temps, donc. Oh, un barbouche qui va donner en évoluant Barbicha, c'est trop bien, je kiffe. Oh oui. Salon. Mais arrête avec Water Gun. Et oui. Un Spinda. Oui, je vais changer de Pokémon de toute façon. Un Spinda, je ne sais plus ce que c'est là qu'on va envoyer. Ok. Ah oui, c'est ça. Ah, d'ailleurs, c'est le Pokémon qui a le plus de sprites dans tout le jeu, parce que... Il y a... Enfin, si je me souviens bien... Ah, mon dieu, bah oui, bah là, ça va être la... Oui, ça va être la full max. J'avais oublié que c'était un Pokémon Psy. Donc, je disais, c'est le Pokémon qui a le plus de sprites, tout simplement, parce que selon... Enfin, il peut y avoir des... Ses tâches peuvent être un petit peu partout. Et donc, bah, évidemment. Copycat. Ça fail. Et là, tu meurs. Pourquoi il prend pas du super effectif? Ça doit être un psy quelque chose qui doit résister. Ah oui, ou ça, oui. C'est bien aussi, hein. Non, pas Sing. Oui, j'ai l'habitude que... Oui. Oui, bon, ça sert à rien. Ouh. Oh, level 18 pour Chuck, ça c'est bien. Qui j'ai en premier, ce serait dommage. Peut-être même Top Cake, ça fait longtemps. Parce que bon, c'est censé être notre cheval des proues, Top Cake. Pourquoi je peux pas lire? Ok. Hey! Oula, il y a plein de petits chats. Le petit chat! Bienvenue à... Au meilleur de Glamazonia, à tout ce que ça peut offrir de meilleur. Malheureusement, on n'est pas tellement glamour ces temps-ci. Et les ventes en sont sur le déclin. Tout le monde veut aller dans ce centre, dans ce salon de Rudy. Quel service, le prix? Toi, va dans l'autre salon. Dis-moi pourquoi ils sont mieux que nous et reviens ici. Me demande pas pourquoi, juste fais-le. Ah, une quête secondaire. Un glaméon. Ah bah oui, un glaméon c'est glamour. Hey, bonjour toi. Oh mon dieu, tu as un si beau Pokémon. Je peux te le faire pour mieux 2000$, non c'est bon. Là-bas c'est 1500, hein, rip. Rip, rip. J'ai pas envie de me faire aggro par le vieux, mais en même temps j'ai envie de tenter le diable. Ah, ma maison a été détruite par les plantes. Ok. Oh!
Oh! Oh, ça sent le Poké Snacks. Alors, je reviens parce que j'ai envie d'être en pleine forme. Donc voilà, et on va essayer de capturer ce Pokémon. Spoink, 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 Spoink. Oh mon dieu, Spoink, I fled. Bon bah oui, bon au moins j'ai soigné mon Pokémon. Oui monsieur l'agent, parlez-moi. S'il vous plaît, observez avec attention... Enfin, faites gaffe quand vous traversez cette zone. Oui, avec plaisir. Alors on va discuter... tout va bien se passer, évidemment. What the fuck, tu pourrais parler dans un langage compréhensible? Mais comment je vais retourner au quartier d'Onyx maintenant, hein? Très bonne question. Alors, parlons à Flerne... Ou non, à Florinia, et à la pote de... Oh! Oh, Vardazar, mais je suis... Oh, je suis content que tu nous aies trouvés! Oui, bonjour, de nouveau. Oh, mais tu sais, nous t'attendions! Oh mon dieu! Maintenant que tu es ici, on peut commencer! Ces arbres bloquent le passage vers l'intérieur du parc d'Obsidia. Mais... nous pouvons les couper! Eh oui! Ah, on m'a enfin donné cut et un espoir, n'est-il pas? Ça devrait faire l'affaire! Maintenant, ça te dirait d'ouvrir la voie? Après l'acquisition de la machine secrète cachée, tu dois... Ok. Machine secrète, oui, d'accord, c'est les HM. Et ils appellent ça Hidden Machine en anglais, c'est bizarre. Alors, qui peut apprendre le T... Ah oui, c'est TMX, bien sûr. Ah oui, parce que c'est... Use. On va essayer... Qui pourrait apprendre Cut et que ce serait cool? La cigale, la song, Bite... Bite, c'est bien, mais c'est vraiment risqué. Struggleback, c'est pas mal. Et Ketchup, il a que du bon, je crois. Ketchup, il a quoi? Il a une attaque. Il a son combo griffe. Il a... Ouais, bah attends, on va juste regarder. Non, je trouve qu'il a un bon... Il a un bon truc, Chuck. Non, Chuck. Ketchup. Oui, oui. Et Chuck... Chuck, Chuck... Ouais, allez, oui, oui, d'accord. Ouais, non, c'est vrai que gros yeux, je ne l'utiliserai pas tant que ça, d'accord, d'accord. Et oui, il a pris que... oui, Cook. Nice, non, non, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est bon, on peut jouer au gamepad, énorme, on peut jouer à la manette à ce jeu. Et oui! Allez, Chuckette, montre que t'es une femme forte. Alors, je dois trouver une de ces vignes qui reste pour l'étudier en biochimie. Non, dégage, dégage. Non, dégage, en vrai. Je vais bien, t'as fait paix! Alors, déjà, hop. Et zoom, déjà, on peut. Voilà, ça, c'est bien. Je vais les couper tous, hein. Au pire, j'accélère pour vous. Bon, ça a l'air de servir à rien. Je vais juste changer un petit peu ma team pour qu'elle s'adapte au fait qu'on va combattre des plantes. Ah, et oui, 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 bien sûr. Non, en fait, je le savais, je voulais y venir là en priorité. Ouh, bonjour. Oh, ça doit être l'éleveur, certainement. Et oui, c'est lui qui va pouvoir faire qu'on va pouvoir avoir des bébés. Ah, tu devrais laisser un de nos Pokémon ici. Oula, le mec il m'a reconnu, il m'a dit hey, tu devrais déposer tes... Oh, mon dieu, n'es-tu pas... Oh, bah en fait, non, on va fermer. Oh, tu es... Oh, bah je pense que... Non, je pense qu'on est fermé en fait. Et pourquoi les gens ont peur de moi comme ça? C'est bizarre. What the fuck? Ah, en plus les arbres poussent, mais j'ai bien fait, hein, j'ai bien fait, bien fait. Bon, en même temps, vous me direz. C'est étrange, ça, ce truc des gens qui parlent, hein. C'est nouveau, someone. Oui, bien sûr.
Allons-y. Oh, il y a un de ces fameux trucs des camps, on a pour ça. Et oui. Suivons mon lit. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, stop! Ah! Ah! Bah, j'ai bien fait de pas y aller en premier. Hein. Ça me paraît bien. Ok, ça servait à rien. Oula, qu'est-ce que c'est? Ok, la Team Meteor est en train de nous faire un truc bien dégueulasse. Je t'avais dit que... Je t'avais dit qu'ils arriveraient ici bientôt. Si seulement ta machine avait pu aller plus vite. Non. Tangrowth ne peut pas aller plus vite, elle ne peut pas en prendre plus. La vitesse a déjà été assez optimisée. Sois déjà content que les Pokémon soient capables de capturer ces deux filles. Tu es vraiment fort pour faire tout ça si bien, Tangrowth. Je ne sais pas si c'est un vraiment de Pokémon ou si c'est un truc comme ça. Hey, combien de temps encore allons-nous ignorer le problème, l'autre problème? Bonjour, mon nom est Lumi. Quoi, seulement trois de vous êtes entrés. On attendait plus. Ça va être facile. Trois, c'est facile à s'occuper. Ce serait peut-être plus poli si on s'introduisait, hein, quand même. Si on disait non. Tu t'es déjà introduit, Lumi. Enfin, introduit. Tu as déjà dit ton nom, Lumi. Néanmoins, pas besoin de faire ça. Moi, par contre, je suis Zéro. Et je suis Eve. Alors, collectivement, nous sommes appelés... On se réfère à nous en nous appelant Zelle. Et oui. Et non, nous allons pas te laisser toucher le pulse, dit-il. Bien sûr, dit-il à trois voix, disent-ils. C'est sûrement pour ça que tu es venu ici, n'était-il pas? Après toutes les pousses de plantes qui sont ici résultent de cette machine. Eve l'a construite elle-même. Correct. Et on voit que c'est elle, parce que c'est eux qui est en majuscule. Le système de Link est une simple hybridisation d'amplification mécanique. Donc avec cette machine derrière nous. On peut manipuler la plus petite racine dans un magnifique et massif boule pour en faire une magnifique et massive boule de destruction arborescente. N'importe quoi. Tu penses que tu peux le stopper? Essaye juste. Waouh. Ça va être le feu de cul. Oh, Zelle. Est-ce qu'on a... On a... Ah non, d'accord. Le mec a juste une triple personnalité dans le plus grand des cas. Ok, d'accord. Je me disais bien que je voyais qu'une personne. Claire. What the fuck? What the fuck? La machine l'a transformé en ça. Ah, ça fait zéro, j'aurais dû l'empoisonner parce que... Ouais, ça va frapper, ça va être dur. Ça va être très très dur. Ah mais lui aussi c'est un poison. Ah ça fait rien du tout. Ah putain. Mais le mec c'est un poison insecte plante, genre dans le plus grand des putains de calme. On va envoyer Ketchup, c'est notre plus haut level. J'espère qu'il a qu'un Pokémon, j'ai pas vu. Incinère-le. Ah, c'est super effectif, mais ça fait que dalle. Bon, au moins, il est paralysé. So we've got that going for us. Nice, nice, nice. Est-ce que je peux le... Ah mais non, je peux pas parce qu'il est paralysé, justement. Ah, un critique en plus.
Allez, on prie pour que l'autre continue d'être... Ouais, nice, nice, nice. Tiens, tiens le coup, Ketchup, tiens le coup. Bon là, c'est... bon, là, il est mort, mais c'est pas grave. On a d'autres Pokémon. Chuck, montre que t'es le plus fort. Généralement, il a une bonne priorité sur ça, mais c'est pas... Ah, putain, c'est pas efficace du tout. Ah, je vais en prendre un max, là. Mais ouais, mais comme lui, c'est un plan de poison. Oh là là, putain. Ouais, sauf que nous, on retire que dalle, quoi, c'est ça. Ah, ça c'est bien, par contre. Nice, ça lui fait des dégâts, quand même. Survie, c'est tout ce que je te demande, voilà. Nice. On voit là, regardez, là, il y a un petit truc, donc à mon avis, c'est le fait qu'il se transforme comme ça. Struggle bug! Oui! Merci la cigale. La cigale toujours là, hein. Depuis le début. C'est pour ça que tu ne devrais pas parler aussi, autant, Lumi! Oui, j'ai gagné 1100 Pokédoors, et ça c'est bien. Oui, donc voilà, selon la majuscule que c'est une de ces différentes personnalités qui parle. À zéro, la prochaine fois, au lieu de. De faire le beau gosse en montrant la clé de la mission, tu devrais te battre avec notre propre Pokémon. Oh, je suis désolé, Tangro. J'aurais pas dû intervenir. Arrête de me crier dessus. En plus, je devrais faire trois voix différentes, ça serait trop dur. Tu avais dit que cette machine était supposée en faire quelqu'un de plus fort. Et en effet, c'était plus fort. Attends. Ta méconnaissance était évidemment le facteur clé de notre défaite. Peu importe si Tangro était plus puissant ou pas. Avec maintenant que Tangro est incapacité, hein, les pousses malignes, donc toutes les excroissances dégueulasses qu'on poussait partout dans la ville, vont régresser. Et alors, ça va revenir à la normale? Correct. Donc il n'y a plus aucune raison de rester ici. Reprenons le... Comment ça s'appelle? Oui, on le voit là, le... D'accord, je vois là. Pourquoi on l'appelle? Alors attendez. Je m'y pose évidemment parce que voilà. Alors désolé, voilà. Me revoilà, c'était pas prévu du tout. Un appel de mes grands-parents, c'est des choses qui arrivent. Donc on en était où? Eh oui, nous n'avons plus aucune raison de rester ici. Prends la machine et on se casse. Hey, over the air, c'est ça? Ne pense pas que c'est fini. Over. Que c'est quoi, over? Eh oui, voilà, tout est parti, tout va mieux. Oh, je peux respirer. Ces vignes m'ont attrapé, ces racines, ces trucs m'ont attrapé. Dès qu'on s'est approché un petit peu, et elles étaient en train de m'étouffer pendant tout ce temps-là. Désolé de ne pas avoir pu t'aider. Mais bon, tu l'as fait toi-même. Hein. Je suis impressionné. Il est probable que cette personne, si on peut référer à cette personne comme une seule personne, à un seul sujet, et un des chef, enfin un opérateur de la team Meteor. Je pense que nos observations ne composent pas l'entièreté de leur assaut. Enfin, l'observation ne compose pas l'entièreté de leur assaut. Ils ont une idée en plus. Oh, je le pense aussi. Beaucoup de mauvaises choses sont arrivées dernièrement. Entre l'attaque de Jasper et de Jasper et des quartiers Beryl, le lac Azurine, la station Péridate, ah, et maintenant ça, oh là, oh. Et puis qui sait quoi d'autre? La team Meteor est peut-être une menace plus grande que aucun nous ne l'avait imaginé. Je vais reporter ça, je vais faire mon rapport à Arne et
heureusement, avec un peu d'espoir, on va deviner quoi faire. Oh, merci beaucoup de ton help. Bien sûr, de ton aide, Overdoser. Oh, on n'aurait pas pu le faire sans toi. Oh, bye bye, Rini. Allez, bisous. Très bien. La crise immédiate est résolue. Je vais retourner à ma gym dans le quartier Onyx. Overdoser, tu es attendu là-bas. Voilà, bien sûr. Adieu. Cool. Oui, bon, par contre, on peut enlever le son, genre... Bon, on va aller vite faire au truc parce que j'ai pas envie d'utiliser ça tout de suite. Hop là, on va se soigner. À boule de nœud, c'est ça. Donc voilà, ce qui s'appelle Tangrowth est en fait une boule de nœud. Donc voilà, et là je pense qu'on va pouvoir capturer un nouveau Pokémon. Ça c'est bien. Mais attendez, j'ai pas de Pokéball sur moi. Oui, alors, on va en acheter tout de suite. Parce que bon, j'ai tout perdu sur l'autre truc. Connerie infâme. Non, oui, ferme ta gueule. Tac, s'il te plaît, oui, s'il te plaît, non, oui. Voilà, hop, dégage. Et vu qu'on est dans l'optique de capturer un Pokémon, voilà. Ou même, oui, on va mettre la cigale vu qu'elle peut endormir les gens aussi. Comme ça, au moins, elle profitera un petit peu de l'XP de la capture. Elle qui a fait de si bons boulots. C'est parti. Je vais sauvegarder aussi, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Hop, je le sens mal. Oh, qu'est-ce que cela va être? Oh! Oh mon dieu, c'est parfait! Oh, on ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait rêver mieux. Oh! Ah là, vous me voyez heureux, les amis. Oui. Donc non, surtout pas des attaques insectes, ça va le one-shot. Ah là là, je suis tellement content que ce soit... Ah mon dieu, ceux qui me connaissent, en plus c'est GM Gaming qui s'attaque au Chitiflore. Je trouve ça vraiment génial. Et bon frappe. Ah, il s'est réveillé, mais c'est pas grave. Ah, l'enfurette. À la limite. Hop, on re-switch. Bon, on s'en fout qu'il nous empoisonne au final. Ce qu'on veut, nous, c'est le capturer. Voilà, je pense que ça devrait le faire vu qu'il est endormi. Oh, bah, par contre il est féminin, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait. Puis de toute façon, vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre que ce n'est pas un problème. Bombs! Eh oui! Ah, le Chitiflore a été ajouté à votre prix, connaît. Le corps est flexible d'un Chitiflore. Lui permet de se tordre et se plier pour esquiver les attaques. Néanmoins, il est très très puissant, très fort, très... oh mon dieu. De sa bouche émet un fluide qui fait fondre même The Steel Beams. Et oui, attention. Oui, grâce poison, et ça je trouve ça génial. Alors, donne-t-on un vrai nom au Chitiflore. Voilà. Ça ne pouvait être autrement pour ceux qui ont joué à Pokémon Go avec moi, et voilà. C'était obligé. Donc très content que Jérémy ait rejoint l'équipe. Oh là là, c'est une bonne nouvelle.
Alors oui, très très bonne nouvelle, Jérémy. que je n'hésiterai pas à entraîner, d'ailleurs. Hop. On pourrait faire un petit épisode et s'arrêter là, mais bon. En même temps, c'est vrai, là, l'appel, ça m'a un petit peu... Bon, je suis désolé, hein, mais... Au final, voilà, ce sera un épisode assez rapide. Mais, voilà, au moins, voilà, voilà, vous avez un épisode tous les jours, de toute façon. Voilà, le mec, il commence à se plaindre, alors que les gens le regardent de leur plein gré, quoi. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis ingré. Bon, bah, je vous dis à une prochaine fois, les petits amis. À très bientôt. J'ai peut-être entraîné les Pokémon hors caméra, entre-temps, ça peut être sympa. Histoire d'avoir un niveau qui soit correct. Donc, je vous dis, je vous fais plein de bisous, et une prochaine fois. Ciao tout le monde!